Je suis Emma et je m'occupe de la page Festiagli. Mais Festiagli, c'est quoi au fait? Festiagli, c'est d'abord cette page Facebook, mais c'est aussi une association. Et cette association, elle est là pour aider toutes les associations. En fait, je suis un outil. J'aide les associations de mon territoire. J'ai créé Festiagli en 2016 parce que dans le coin, si tu vois pas les affiches de ce qui se passe, eh bien, t'es pas au courant. Et comme ça m'énervait, je me suis dit, tiens, je vais créer une page où il y aura toutes les affiches de tous les événements, de tout le Fenouillède et les alentours. Donc, mon association est là pour objet de communiquer tous les événements et toutes les festivités qui ont lieu sur le territoire que j'ai choisi. Et ce territoire, c'est celui-là. Donc, il y a 45 villages qui sont sur le territoire de Festiagli. Et ce territoire, c'est le Fenouillède un peu élargi, la vallée de la Boulzane et les Corbières. Voilà. Et c'est autour de Saint-Paul-de-Fenouillet, Saint-Martin-de-Fenouillet. C'est un peu là où j'habite. L'objet de l'association Festiagli, c'est donc de communiquer tous les événements. Mais aussi, à l'époque, je m'étais dit, il y a des dates qui se chevauchent, non? Des fois, le samedi, tu as trois trucs dans trois villages différents et tu veux aller à trois événements. Sauf que tu peux pas te couper en trois et que ça rend fou parce que le dimanche il n'y a rien et ça m'énerve. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'organiser la coordination des événements. Ça tombe bien, ça fait partie de l'objet de mon association. La concertation. Concertons-nous. Alors bon, par contre, pour coordonner des événements sur 45 villages, j'ai calculé, ça fait à peu près 200 associations. Comment te dire, le truc simple, le truc facile, le truc ouais, pas de problème, je vais y arriver. C'est un peu compliqué, tu vois. Bon, alors j'ai téléphoné à des responsables associatifs d'un peu partout sur le territoire, à Montfort, à Codiès, à Campoussi, à Caramani, à Maury et Saint-Paul et un peu autour pour moi. Ces 5 ou 6 associations, on s'est concerté. Et pendant presque un an, on a mûri ce projet, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on allait utiliser, quel outil de concertation et de collaboration on va utiliser. On en a testé, on a discuté qu'est-ce qui serait le plus facile, le moins facile, bref, on en a vu, voilà. Et finalement, on en a choisi un. Alors, on pourra faire tout ce qu'on veut, il y aura quand même des dates qui vont se chevaucher. Voilà. On ne peut pas non plus, hein. Mais si on peut en éviter quelques-unes, à y être, on fait ça. Et c'est surtout, tu vois, il y a des trucs, si ça se chevauche, c'est pas bien grave. Un vide-grenier qui se chevauche, peut-être même c'est sympa. Tu vas à un village le matin et l'autre l'après-midi. Et comme ça, tu en profites. Voilà. Par contre, les rifles, c'est moins cool, parce que tout le monde veut aller à la rifle. Tu me fais 3 rifles le même jour, dans 3 villages qui sont pas loin. Eh, ça fait râler. Alors, si tu fais partie d'une association et que tu veux participer à cet agenda collectif, eh bien, il suffit de nous envoyer un mail. Il suffit de nous envoyer la liste de toutes tes animations avec quel jour, dans quel village, qui c'est qui organise, à quelle heure et c'est quoi. Voilà. Après, on va mettre ça dans le tableau et on t'enverra un lien pour que tu vois toutes les animations de tous les autres villages. On va commencer par faire comme ça. Après, on va évoluer. On verra comment on s'arrange pour que chacun puisse remplir ce tableau. Conclusion, tu nous communiques tes dates et nous, on t'envoie un lien pour que tu vois la date de tous tes voisins. Voilà. Et c'est que pour les associations. Et ben voilà. On dirait que je fais la météo.